arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos. Y me estoy yendo para Cardiff. En una hora y media no tiene novedades mías. No sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. Longtemps espéré comme rescapé par sa famille, tous ses proches et les fans du foot du monde entier, Emiliano Sala et le pilote qui l'accompagnait vers Cardiff se sont éteints dans des conditions dramatiques ce 21 janvier 2019. Vous n'avez pas pu passer à côté de cette histoire et de cet homme que tout le monde admirait pour sa combativité, son dévouement et ses qualités humaines. Emiliano Sala était respecté par tout le monde du football. Certains considèrent même que le football business l'a tué et qui peut leur donner tort. Laissez-moi vous raconter toutes les zones d'ombre de cette histoire et revenir sur les traces d'un homme respectable et admiré, écrasé par les vices du monde du football. Cette histoire commence en Argentine, dans le petit village de Kouloulou, dans la région de Santa Fe. En ce 31 octobre 1990, naît un certain Emiliano Sala. L'Argentine, considérée comme un pays qui fait naître des pépites du football mondial, Emiliano est très rapidement influencé par les stars argentines de son époque. Il commence le football très jeune, en voulant suivre les traces des joueurs qu'il admire. C'est à l'âge de 4 ans qu'il débute le football, dans le club local de son village, où il y jouera jusqu'à ses 15 ans. C'est à partir de 2005 que son rêve de football prend une nouvelle tournure, quand il est repéré par le centre de formation en Argentine, qui est affilié aux Girondins de Bordeaux à cette époque-là. Après un prêt au Portugal qui se termine très rapidement, c'est en 2010 qu'il rejoint la France et la réserve des Girondins de Bordeaux. Emiliano Sala continue sa formation jusqu'en 2012, où le club girondin décide de le prêter à l'US Orléans, qui évolue en national pour la saison 2012-2013. Il fait forte impression en inscrivant 19 buts en 39 matchs. Il est de nouveau prêté la saison suivante. Cette fois-ci, c'est un club de Ligue 2 qui est intéressé par le buteur argentin, le Chamois Niortais. Emiliano Sala réalise alors une saison plus que complète. Sala inscrit 18 buts en championnat, et est de loin le meilleur buteur du club cette saison-là. Loin derrière le deuxième, qui est à seulement 6 buts. À son retour à Bordeaux, Willy Sagnol, actuel entraîneur des Girondins, lui indique alors qu'il compte sur lui pour la saison 2014-2015 qui arrive. Mais le technicien français ne tient pas parole. Le poste de numéro 9 étant barré par Cheick Diabaté, il est alors prêté au SM Caen à la mi-saison. Il rejoint le stade Malherbe de Caen plein d'espoir et de revanche. Il a envie de jouer, de marquer, et de prouver à toute la France qu'il est un serial buteur. Et il ne tardera pas à le faire. Emiliano Sala ouvre son compteur pour sa première titularisation avec Caen et inscrit son premier but sur le maillot normand contre le Paris Saint-Germain. Un match qui finira sur le score de 2-2, une vraie performance pour le club normand, accompagné de son nouveau talent argentin. Une semaine plus tard, le SM Caen reçoit le RC Lens à domicile. L'Argentin éblouira de son talent dans ce match incroyable auquel j'ai pu assister à l'époque. Il inscrit un doublé, dont un but magnifique dans un stade en admiration devant la combativité et la puissance de ce joueur que quasiment personne ne connaît vraiment. Le SM Caen l'emportera 4-1, Emiliano Sala terminera homme du match. Malheureusement, après un nouveau but contre l'Olympique de Marseille la semaine suivante, Emiliano Sala perdra sa dynamique et ne trouvera plus qu'à une seule reprise le chemin défilé. Il ne sera titulaire que 4 fois dans les 10 dernières rencontres de la saison. Malgré ça, l'élite du football français a enfin pu poser les yeux sur ce joueur admirable de combativité et de détermination. Et sa prestation n'échappera pas à l'un des clubs les plus mythiques de France. Été 2015. À la recherche d'un renfort de poids pour son attaque, le FC Nantes se laisse séduire par la révélation argentine de la saison. Michel Derzakarian est alors entraîneur des Canaries. Il veut absolument faire venir Emiliano Sala pour les prochaines saisons à venir. Sala est séduit par le projet nantais, et peut enfin se reposer sur une équipe qui a totalement confiance en lui. Il signe un contrat de 5 ans au club, son transfert rapportera à peine 1 million d'euros à Bordeaux. Emiliano Sala se met rapidement dans le bain nantais. Il finira déjà meilleur buteur du club pour la saison 2015-2016, avec 6 réalisations. Décembre 2016. Michel Derzakarian, actuel entraîneur de Nantes, est remplacé par le portugais Sergio Conceição. Ce changement ne dérange pas Emiliano, bien au contraire, puisqu'il inscrira 15 buts sous les ordres du manager portugais. Pour la saison 2017-2018, Valdemar Quita, président du FC Nantes depuis 2007, fait un énorme coup en réussissant à faire venir Claudio Ranieri, champion de Première Ligue la saison passée avec Leicester.
L'entraîneur italien a une confiance aveugle en Salah. L'attaquant argentin jouera quasiment tous les matchs en tant que titulaire indiscutable. Après une bonne partie de première saison, il finira difficilement en restant bloqué à 12 buts marqués avec les Canaries, saison 2018-2019. Cette saison est capitale pour la suite de la carrière et de la vie d'Emiliano Salah. On est en début de saison, en plein mercato estival 2018. Salah est sur le départ, il ne rentre plus dans les plans du nouvel entraîneur Miguel Cardozo. Vous vous demandez peut-être pourquoi autant d'entraîneurs s'enchaînent dans ce club. En effet, beaucoup de supporters se plaignent de la gestion de leur président, Valdemar Quita. Depuis son arrivée au club en 2007, 19 entraîneurs se sont enchaînés, ce qui fait une moyenne de plus d'un entraîneur par saison. Un bilan médiocre, une gestion calamiteuse et plusieurs transactions financières douteuses. Voici comment on pourrait grossièrement résumer ces 14 années passées au club. Valdemar Quita, c'est qu'Emiliano Salah, acheté pour 1 million d'euros en 2015, est une poule aux œufs d'or pour le club. Retour en été 2018. Le président nantais est clair. Pour obtenir son buteur argentin, c'est 10 millions d'euros minimum. Il donne directement le ton. Quita refusera même que son joueur ne parte en prêt au Galatasaray. Le joueur, contraint de rester à Nantes, veut encore une fois prouver à tout le monde, et notamment à son entraîneur, qu'il a sa place parmi les titulaires. Le guerrier argentin enchaîne 10 buts en l'espace de 12 matchs. Il fait littéralement un des meilleurs débuts de saison de sa carrière. En novembre 2018, il est même le meilleur buteur argentin d'Europe devant Lionel Messi. Ce qui est incroyable pour ce joueur qui étonne tout le monde de saison en saison. Il est même à ce moment-là le meilleur buteur d'Europe à égalité avec Kylian Mbappé, récemment champion du monde avec l'équipe de France. Emiliano Salah est au meilleur moment de sa carrière. Et autant vous dire que certains s'en frottent les mains. Décembre 2018, le mercato hivernal arrive. Et les convoitises s'aiguisent, venant de l'Europe entière pour le joyau des Canaries. Valdemar Quita est cette fois disposé à laisser partir Emiliano, à condition que les acheteurs y mettent le prix. Quand Cardiff City, 17ème de première ligue à cette époque de l'année, fait une offre d'environ 17 millions d'euros, le président du FC Nantes se frotte les mains. Il est sur le point d'enfin pouvoir valoriser sa poule aux œufs d'or, au prix fort. Pour Salah, le projet sportif d'une équipe à la peine en première ligue n'est pas des plus attractifs, mais il verra son salaire multiplié par 7. Emiliano se montre réticent et son agent le pousse à rester au moins jusqu'au mercato estival. Mais la pression du président Quita finit par le faire céder. Le transfert est officialisé le 19 janvier 2019. Bienvenue au club, Emiliano. Vous venez de signer le contrat et vous êtes devenu enfin Bluebird. Quels sont vos sentiments ? Je suis très content d'être ici avec vous. Et ça me fait énormément plaisir et j'ai hâte de commencer les entraînements, de retrouver les... mes nouveaux coéquipiers, ils se mettent au travail. Après la visite médicale et la signature de son contrat au Pays de Galles, il revient dans l'ouest de la France pour pouvoir voir une dernière fois ses anciens coéquipiers. L'Argentin sait que dans quelques semaines, il jouera dans l'un des meilleurs championnats du monde. La consécration absolue après tant d'années de combat et de sacrifices. Il confie à son ami Nicolas Palois, défenseur du FC Nantes, que le vol aller ne s'est pas très bien passé en raison des turbulences. Emiliano a un mauvais pressentiment. L'avion doit le ramener vers l'Angleterre, au-dessus d'une manche agitée. C'est le pilote privé David Andrew Ibbotson qui l'accompagnera. Arriba de l'avion que parece que se está por caer a pedazos. Y me estoy yendo para Cardiff. En una hora y media no tiene novedad de mía. No sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. Voici les dernières paroles d'Emiliano Salah. C'est aux alentours de 21h16 que l'avion qui accompagne l'Argentin disparaît des radars. Les recherches sont rendues difficiles par la météo. Aucun message de détresse n'a été reçu. Les heures qui suivent voient le monde du football retenir son souffle dans une attente angoissante. Tant que l'avion n'aura pas été retrouvé, l'espoir demeurera. Mais dans les eaux troublées, agitées par des courants de 15 km/h, l'espoir de retrouver un survivant est quasi nul. Et les autorités décident après plusieurs jours de mettre un terme aux recherches. Cela entraînera un mouvement d'une ampleur inouïe pour leur reprise. Grâce à des dizaines de milliers de dons, l'avion sera retrouvé le 3 février. Le corps d'Emiliano Salah le sera également. Il sera identifié par sa famille, totalement meurtri par la perte de ce qu'ils avaient de plus cher. Le pilote, lui, ne sera jamais retrouvé, laissant sa famille et des amis derrière lui, dans l'effroi et la tristesse. 30 janvier 2019, La Beaujoire, Nantes.
9 jours après la disparition d'Emiliano, le club nantais et ses supporters lui rendent un hommage bouleversant. À l'aube de son rêve, le guerrier nous a quittés. Les larmes coulent, le monde du foot ne peut oublier. Le canari de la Jonelière s'est envolé trop tôt, laissant derrière lui une femme, une famille et tous les fans du foot du monde entier en pleurs. Nul doute que son sourire continuera de briller tout là-haut.